Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. On est toujours le 3 octobre 2020, 13h37 heure du Québec. Je vous ai dit que j'étais en vacances, donc vous allez me voir souvent. Il y en a qui vont être contents, d'autres qui vont suer, transpirer. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une nouvelle de dernière minute, ça vient de tomber. Hein? On est le 3 octobre 2020, 13h37 heure du Québec. Je vous ai dit que ça irait vite dans le cas de Donald Trump et de sa, de sa confirmation de, son, de sa positivité et qu'on pourrait être dans l'éventualité complètement différente d'une nouvelle course à la présidence. On s'en va aux nouvelles tout de suite. Et c'est très confus, ça nous vient du US Sun, confusion qui entoure la bataille de Donald Trump à la COVID, car une nouvelle source a déclaré que ses signes vitaux sont très préoccupants et que les prochaines 48 heures sont critiques, mais son médecin insiste sur le fait qu'il va bien. Le docteur Sean Conley, au côté le neuf autres membres de l'équipe médicale a fait le point samedi matin depuis le centre médical Walter Reed. On se tenait à l'extérieur du centre. En vendredi soir, on a vu le président. Tout le monde se rappelle de Boris Johnson, qui avait été testé positif, qui continuait à faire son travail, qui avait l'air de bien aller, et boum, soudainement, s'est retrouvé à l'hôpital et est resté longtemps aux soins intensifs à combattre. Ça a été une chute rapide. Suite à la mise à jour, Trump a tweeté les médecins, les infirmières et tout. Euh, ce bon monde de ce grand hôpital et d'autres institutions également incroyables qui les ont rejoints sont incroyables. D'énormes progrès ont été accomplis au cours des six derniers mois dans la lutte contre cette peste avec leur aide. Je me sens bien. Le docteur Chandoulie a déclaré que le président était de bonne humeur et que Trump a dit au médecin :« Je sens que je pourrais sortir d'ici aujourd'hui. » L'équipe a également confirmé que le président suivra probablement un traitement de cinq jours au rennes des évires et qu'il dispose de 13 médecins et infirmières bien qu'il soit resté à l'hôpital. cornet a confirmé que Trump avait beaucoup de travail à faire euh, de la part du chef de cabinet. Des sources ont également déclaré à ABC que le président s'était reposé toute la soirée après avoir éprouvé un essoufflement dû au virus. Cependant, une source que l'on pense être le chef de l'état-major, Mark Meadows, a déclaré à un groupe de journalistes que la voie du rétablissement n'était pas claire. La source a déclaré que les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet. Une personne familière avec l'État de Trump a également confirmé que le président avait reçu de l'oxygène à la Maison-Blanche après que Connolly eut étudié et éludé la question. Et pourtant, Connolly avait déclaré qu'il n'avait pas reçu d'oxygène jeudi ou depuis et qu'il était, qu était patient au Reed Medical Center. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment... Euh on, on sait sûr qu'on veut cacher des choses hein dans des scènes extraordinaires à la maison blanche vendredi Trump 74 ans a été transporté par hélicoptère vers le centre médical près de Washington DC par abondance de prudence après avoir été frappé de symptômes du coronavirus mettant en péril les élections américaines avant juste avant, une semaine avant euh, juste avec juste quelques semaines avant l'élection. Quelques heures après avoir été transporté à l'hôpital via l'hélicoptère présidentiel Marine One, Trump a tweeté Ça va bien, je, je pense. Merci à tous pour votre euh, compassion, votre amour. Après qu'il ait été transporté ou rapporté que Trump avait du mal à respirer, le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conney, a déclaré que Trump avait reçu une dose de Remdesivir. On lui a donné aussi un cocktail. Le gars, il a 74 ans, fait de l'embonpoint, il n'est pas vraiment en forme. Souvent, hein, tu peux avoir des, beaucoup de, de, de conséquences, hein, euh, d'effets de, euh, à prendre toutes sortes de médicaments. Le remdesivir utilisé pour le traitement d'Ebola, du SRAS et de l'hépatite C est un médicament antiviral conçu pour interférer avec la capacité du virus à copier son matériel génétique. Le médicament a été approuvé pour une utilisation d'urgence en mai au milieu de la pandémie. Euh, Vraiment? Waouh! C'est toute, toute une histoire, ça va aller vite, je vous l'ai dit, parce que c'est ce qui est arrivé dans le cas de Boris Johnson. Des sources ont déclaré que les symptômes de Trump sont pires que ceux de la Première Dame à ce stade. Plus tôt vendredi, CNN a rapporté, après l'hospitalisation de Trump, que les responsables de la Maison-Blanche étaient sérieusement préoccupés par l'état de Trump ce soir. Trump serait très fatigué, très fatigué et ayant du mal à respirer, un responsable de la Maison-Blanche a insisté sur le fait que Trump est fatigué mais il ne se détériore pas son état. Les responsables, le responsable a déclaré à CNN que le public ne devait pas s'inquiéter et que Trump prenait cela très, très au sérieux. Cependant, contrairement aux sources de CNN, un haut responsable de l'administration Trump a déclaré à Fox News que Trump n'avait pas euh, du mal à respirer. Le responsable a déclaré que de tels rapports sur les difficultés de Trump sont carrément scandaleux. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain, a déclaré à Fox qu'il avait parlé à Trump et l'a décrit comme optimiste. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça. McCarthy a déclaré que Trump m'a dit qu'il appréciait toutes les prières et le soutien de tout le monde. Notre président est fort et vaincra le virus. Plus tôt, vendredi, Trump avait été vu pour la première fois depuis qu'il a confirmé qu'il avait le virus mortel, lançant un coup de pouce alors qu'il traversait la pelouse. Sud de la Maison-Blanche jusqu'à l'hélicoptère de Marine One. Et on, il nous a envoyé un petit tweet, un petit message. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment très, très ambigu. Mais ce que je retiens, c'est surtout ça ici, au début. Euh, et c'est ça ici. C'est le chef du cabinet hein, de Trump qui a déclaré que c'était pas clair. Mark Meadows, ni l'autre ni que Mark Meadows lui-même, hein, le chef d'état-major, le chef du, du, du nouveau euh, Chief of Staff, qui a déclaré que la voie du rétablissement n'était pas claire. La source a déclaré les signes vitaux du président au cours des 24 dernières heures étaient très préoccupantes. Et les 24 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet. Bon, donc ça c'est les dernières nouvelles. Ça venait de tomber. Je voulais vous partager cela. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Trump. Et c'est bien correct. Mais surtout que c'est quand même le président des États-Unis et que c'est important de savoir ce qui va se passer. À Trois ou quatre semaines d'une élection qui semble vraiment euh, perdue d'avance pour Trump et les républicains, et que un changement de direction, ça pourrait peut-être signifier la fin pour euh, Joe Biden et les démocrates. Enfin, on verra. Je vous reviens.